Bonjour à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé du Giro. Retour sur la 16e étape et l'arrivée à Aprica. Yann Hirt, le tchèque d'Intermarché ou Antigobert Matériaux, a créé la surprise en s'imposant. Richard Carapaz a concédé sur la ligne 4 secondes de bonification à Jay Hindley. Il n'y a donc plus que 3 secondes entre l'Équatorien et l'Australien au classement général. Joao Almeida est à 44 secondes, Mikel Landa à 59 secondes et puis derrière, c'est à plus de 3 minutes 30. Changement de décor aujourd'hui, changement de météo surtout, les imperméables sont de sortie, la pluie est présente, ce sera forcément un facteur à prendre en compte. Car le départ de Ponte di Legno, regardez Mark Cavendish, la pluie plus une étape de montagne, ce n'est pas pour satisfaire l'homme de Man. Regardez cette étape au départ de Ponte di Legno, 168 km avec un départ en côte. On va monter le Passo de Tonale et puis ensuite une longue descente avant d'attaquer le Passo del Vetriolo et la montée Rovere juste avant l'arrivée du côté de l'Avarone. À Giovo, ce sera le village de la famille Moser, Francesco Moreno Moser, qui sont de Giovo. Et regardez, dès le début, c'est parti vite. On voit ici Attila Valter, maillot rose l'an dernier. Koen Boumann, le maillot bleu de meilleur grimpeur qui démarre avec Giulio Ciccone. Les deux coureurs qui se battent pour le maillot bleu de meilleur grimpeur. Yann Hirt, vainqueur hier, qui est de nouveau là avec Rein Taramae. Il y a Mathieu Van Der Poel également dans ce groupe. Et c'est donc 25 coureurs qui vont se retrouver à l'avant car Diego Rosa et David De La Cruz vont opérer la jonction. 25 à l'avant, Hugh Carty encore une fois est là. Attila Valter qui a finalement pris le bon coup. Et Koen Boumann qui va aller chercher les points de ce troisième catégorie. 9 points dans la musette. Un gros sprint pour quelques points. Il accentue son avance sur Giulio Ciccone. Le peloton navigue à 4 minutes et 46 secondes alors qu'une chute survient dans le groupe de tête. C'est Santiago Buitrago, deuxième à Cogné, qui vient de tomber. Ah, le coureur qui est pourtant en bonne forme, le Colombien de Bahreïn Victorious, il est reparti. Il se retrouve donc dans le groupe de tête où vient d'attaquer Mathieu Van Der Poel, le Néerlandais vainqueur de la première étape qui accélère à 65 km de l'arrivée. Oh, démarrage digne du cyclo-crossman qu'il est. Et il est repris par trois hommes. Guillaume Martin qui était présent dans l'échappée, Alessandro Covi et Félix Segal. Ces quatre coureurs qui ouvrent la route et qui comptent un peu plus d'une minute d'avance sur le groupe Koen Boumann. Avec ici Hugh Carty, le Britannique qui fait beaucoup d'efforts. Depuis quelques jours, il y a également Mauri Van Sevenant, Rhys Lemreiser. Que des coureurs qu'on a souvent vu à l'avant dans des échappées. Et Giulio Ciccone qui met le clignotant à 37 km du but. L'Italien qui pense peut-être déjà au dernier week-end, notamment vendredi et samedi. Et à l'avant, Koen Boumann qui prend 40 points. Il ne s'assure pas encore le maillot de meilleur grimpeur, mais en tout cas, il prend des points très importants. Guillaume Martin qui bascule dans le groupe de tête. Et deux coureurs dans la descente, Rhys Lemreiser et Mathieu Van Der Poel. La frayeur pour le Néerlandais d'Alpecin Phoenix, qui a freiné un peu tard, qui a bloqué la roue et qui a failli tomber. Mais tout va bien pour l'équilibriste Van Der Poel qui se retrouve avec Rhys Lemreiser et derrière ça s'embrouille entre Carty, Boumann, Hirt, Félix Segal, Guillaume Martin et Mauri Van Sevenant. Buitrago également sont en contre à plus d'une minute trente de cet homme Mathieu Van Der Poel qui vient de distancer Rhys Lemreiser dans la montée finale. Le peloton, changement de physionomie avec les Bahreïn Victorious qui prennent de nouveau la course en main avec Novak, avec Wout Poels. C'est Joao Almeida qui est en difficulté. Alors qu'à l'avant, Buitrago, un autre Bahreïn Victorious, hausse le ton. Le Colombien qui va partir en chasse de ces deux hommes, Lemreiser et Van Der Poel, puisque Van Der Poel ne peut plus suivre le rythme de son compatriote de la Jumbo-Visma, le cyclo-crossman qui montre ses limites quand la pente s'élève, alors que derrière, Ineos reprend les commandes. Cette fois, Richie Porte, mais c'est finalement Mikel Landa qui démarre. Le Landismo, le mouvement autour de Mikel Landa, alors que Buitrago, à l'avant, il se passe des choses partout. Buitrago qui est revenu sur Van Der Poel, puis sur Rhys Lemreiser. Oh, le Bahreïn Victorious qui sont à tous les niveaux de la course. Buitrago qui est parti seul, juste au sommet, à 300 mètres du sommet de cette dernière difficulté du jour. Alors que dans la descente, Buitrago est en tête, lui qui est tombé plus tôt dans la journée. Rhys Lemreiser est une quinzaine de secondes. Wout Poels et Mikel Landa qui font exploser le groupe des favoris. Il ne reste plus que Hindley et Carapaz, les deux premiers du général. Joao Almeida est très loin et va sans doute perdre gros aujourd'hui. Regardez, ils sont quatre avec Wout Poels qui accompagne le trio Mauri Van Sevenant, repris de l'échappée matinale. Rhys Lemreiser sous la banderole 4 km qui accuse 25 secondes de retard sur Santiago Buitrago. Le Colombien, battu une première fois, battu une deuxième fois, va aller chercher la victoire d'étape. Lui qui a tout juste 22 ans, qui pointe les doigts vers le ciel et qui va aller s'imposer
victime d'une chute en cours d'étape. Buitrago est le vainqueur d'étape ici sur cette 17e étape du Giro. Rhys Lemreise est battu, déjà 3e sur le Giro dans un groupe à 3. Il termine 2e aujourd'hui. Et Richard Carapaz qui va aller chercher la 5e place de l'étape. Pas de bonification, il a mis un point d'honneur à aller chercher la 5e place devant Jay Hindley. Mikel Landa qui perd 6 secondes sur la ligne. Et João Almeida, lui, franchit la ligne en 4 minutes et 0,3 secondes après Buitrago, c'est-à-dire 1 minute 10 derrière Carapaz. Vincenzo Nibali termine 17e à 5 minutes et 1 seconde. Kelderman Bourman à 5 minutes 20. Sivakov également. Juan Pedro Lopez, 5 minutes 25. A signaler l'abandon de Simon Yates, vainqueur de 2 étapes, le contre-la-montre puis l'étape de Turin. Le Britannique a abandonné. Valverde, lui, termine à 11.35 aujourd'hui. On va voir au classement général ce que ça donne. En tout cas, a signaler la 9e place de Guillaume Martin dans le groupe Lambda à 3 minutes. Les images de Richard Carapaz sur les rouleaux grâce à nos équipes sur place. Marco Camioni, Andrea Camioni, Florian Pigeon qui nous font ces belles images. Au général, regardez, Carapaz Hindley, 3 secondes. Landa est à 1.05 désormais. Almeida à 1.54. Ça semble très difficile désormais pour le podium. Nibali à près de 6 minutes. Bilbao à 6.20. Et ensuite, Yann Hirt à 7 minutes 12. Bourman à 7.13. Juan Pedro Lopez qui gagne 2 places à 12.27. Disparition de Pozzo Vivo puisqu'il est désormais 10e à 12.30. Hugh Carty fait son arrivée à la 11e place devant Valverde, Arensman et Buitrago. Guillaume Martin est 16e. Sivakov 18e. L'étape de jeudi, direction Trévise, où s'était imposé Mark Cavendish en 2013. C'est la dernière occasion pour les sprinteurs. Attention à ce qu'une échappée n'aille pas au bout. Le bras de fer sera intéressant, mais Arnaud Démare, maillot cyclamen, aura sans doute envie de remporter une 4e étape sur ce Giro. Rendez-vous jeudi sur les antennes d'Eurosport et GCN.